Bonjour à tous, on est dimanche, j'ai dormi à Venterolles et là je suis arrivé à Saint-Paul-Trois-Châteaux et j'avais rentré à Thèbes sur Avignon. Là je vais direction Bolène et je vais longer le Rhône jusqu'à Roquemort. Profiter un peu de la fraîcheur comme hier avec le Mistral, ça s'est considérablement rafraîchi. Je viens d'arriver sur le rond-point et là je vais en direction de Bolène. Mes amis, je viens d'arriver à Bolène, au début du village. Là derrière moi, il y a un rond-point. Là, juste là en face, il y a le pont pour aller à Tricastin. Et la piste, elle est juste derrière. Ça va jusqu'à Roquemort. Et je vais longer le Rhône comme ça jusqu'à Avignon. Précédemment, je vous ai montré une vidéo sur mes pneus. J'ai acheté des Continental. Le X-King 2.0, j'ai acheté ces pneus de chez Continental parce que c'est des pneus pour rouler. Et je les ai gonflés à 3,5 bars. Parce que quand j'ai gonflé en dessous, j'avais l'impression que j'étais en permanence crevé. Et en fin de compte, il faut bien les gonfler au-delà des 3 bars. Et là, j'ai une tenue de route et le vélo est vraiment roulant. Donc si vous achetez ces vélos de cette marque très très connue de chez Between, pensez à acheter des bons pneus, surtout des bons pneus. Les bons pneus de chez Continental, ils sont pas mal. Michelin, c'est pas mal, mais Continental, c'est mieux. Quoi, c'est mon avis, hein. Mais bon, moi, comme je roule beaucoup sur des pistes, et je fais pas beaucoup de gros chemins où il y a de la bonne caillasse. Par contre, si j'avais de la grosse caillasse, c'est sûr que là, je prendrais des crampons plus gros. Mais comme moi je roule beaucoup, ben, ce genre de pneus c'est très bien pour moi. Allez, un petit 360 rien que pour le plaisir. Et direction Avignon. Elle est bonne et... on peut mieux faire quand même.
Bon, à partir de Bolène jusqu'à Mornas, ça, ça a été. Après de Mornas, il y a eu 6 km sur la piste qui est juste là. Que des gros cailloux et pour rouler, c'est, ça sautait en permanence. Pas du tout agréable. Et là, du coup, ben, je vais arriver dans un bel endroit. J'ai pris mon temps et là, je suis sur la piste cyclable. Et logiquement, il y aurait un bras du Rhône qui serait sur ma gauche et un autre sur ma droite. Et là, ce qui est bien, ils ont aménagé la voie. Donc, je vais rouler sur une bonne piste sans que ça tape en permanence. Oh, facile, j'ai au moins facilement perdu, allez, disons 40 minutes sur cette piste. Vraiment pas très agréable, vraiment. La prochaine fois, je passe pas par là. Éventuellement, je repasse par cette piste. Et je prends la route direction Mornas. Ça sera beaucoup mieux. Allez, à tout de suite. Là en face, il y a la centrale nucléaire Marcoule. Et juste sur le mont au-dessus, il y a le château de Guigon. Ils ont tout aménagé, alors ça c'est top. Je suis au niveau de Châteauneuf-des-Papes. J'ai pris un chemin que je ne connaissais pas. Je suis au beau milieu des vignes. Il n'y a pas un bruit. Et là, ils ont commencé à ramasser les raisins. Ça sent les fruits de partout. C'est très agréable. Au final, je devais longer le Rhône. Mais sur 40 km, ils ont fait que 6 km de piste cyclable. C'est bien dommage. Et logiquement, ben, les travaux auraient dû être finis
cette année, mais il y a facilement 5 km qui manquent. C'est bien dommage. Vraiment dommage. Comme ça évite aux vététistes et aux vélos d'aller frôler les voitures. Les amis, je viens d'arriver à la chapelle du bienheureux de Pierre de Luxembourg. Bon, je suis à 20 km d'Avignon.